Bonjour à vous, visiteur. Merci de m'avoir suivi dans cette enquête sur l'origine de la matière. Pour la mener, nous sommes remontés bien loin dans l'espace et le temps. Et maintenant, nous avons assez d'indices pour en retracer l'histoire, pour raconter le grand récit de l'univers. Notre univers aurait émergé il y a 13,7 milliards d'années de l'expansion et du refroidissement d'un pur concentré d'énergie, le Big Bang chaud des spécialistes. Dans les 3 minutes qui suivent, la soupe initiale s'est refroidie, si bien que vers 1 milliard de Kelvin, les premiers noyaux d'atomes sont formés. Tout l'hydrogène et pratiquement tout l'hélium datent de cette époque. Rapidement, la température devient trop faible pour que se créent d'autres noyaux. Elle baisse, et quand elle est voisine de 3000 Kelvin, les électrons s'unissent de façon stable au noyau pour former les premiers atomes. L'univers est âgé de 380 000 ans quand il devient transparent à sa propre lumière. Nous sommes aujourd'hui au cœur de cette lumière, omniprésente dans le fond du ciel. La science la capte, la mesure, l'analyse dans ses moindres détails. C'est la première image de l'univers. Puis, durant des millions d'années, rien. L'univers poursuit son expansion. Le nuage d'atomes d'hydrogène et d'hélium semble voué à une dilution sans fin. Mais la soupe initiale avait des grumeaux. La gravitation, qui fait que toute matière s'attire, opère son lent travail de rapprochement. La matière se condense dans les premières étoiles, forme les premières galaxies. Au cœur de ces étoiles qui s'allument, l'hydrogène est le combustible des premières fusions nucléaires. Ainsi se forment les noyaux d'atomes de carbone, d'oxygène, de silicium, de fer. Les étoiles les plus massives explosent, disséminent les atomes, produisent l'or, le plomb, l'uranium. Il y a 4,5 milliards d'années, dans un bras de notre galaxie, un nuage de gaz et de poussière se condense à son tour. Une nouvelle étoile apparaît. C'est notre Soleil. Autour, les résidus de matière s'organisent en un cortège planétaire. La Terre vient de se former. Pour ce qui est de la vie, patience, ce sera un peu plus tard. Ainsi, depuis 13,7 milliards d'années, de création d'étoiles en explosion d'étoiles, se sont formés les atomes qui constituent la Terre et les objets de l'univers. Cette histoire, c'est la nôtre. Elle est en nous comme dans ce verre d'eau. L'eau, c'est H2O. H symbolise l'hydrogène, l'atome le plus léger, le plus abondant dans l'univers. Il s'est formé dès l'univers primordial. O symbolise l'oxygène, un élément formé dans les étoiles, distribué dans l'univers par leurs explosions. Boire de l'eau, c'est comme boire un peu d'aube de l'univers, et aussi s'abreuver au cœur des étoiles. C'est notre histoire. Elle est cohérente, argumentée, mais elle bute sur un horizon de compréhension. Que se passe-t-il au tout début de cette histoire brûlante? Qu'y a-t-il avant les premiers noyaux? Il existe des hypothèses, mais prudence. Aucune théorie physique n'est capable de décrire correctement les tout débuts de l'univers. Et il y a aussi les questions sans réponse.
cette matière noire qui interagit avec la matière lumineuse. Cette énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers, que sont-elles ? C'est le fruit éternel de la curiosité, de la quête du savoir, de l'envie de comprendre. Notre enquête sur la matière nous a promenés dans l'espace et le temps, des mots simples, familiers. Pourtant, en moins de 2 siècles, la science en a profondément bouleversé la signification. Jugez vous-même. Quand Einstein a 20 ans, il y a seulement 1 siècle, l'espace est considéré comme statique, figé, et l'univers se résume à notre galaxie. Que de chemin parcouru depuis. Et cela, depuis un point de vue singulier, celui d'une petite planète, la Terre, perdue dans l'univers. Si l'histoire de ces bouleversements vous intéresse, je vous invite à retrouver Newton, Einstein et bien d'autres à l'étage supérieur. À tout de suite.